C'est un couple qui se soutient dans son travail. Ce dimanche 2 avril, l'acteur Pierre Niney a partagé une story Instagram dans laquelle il fait une belle déclaration à sa compagne Natasha Andrews. Il la félicite pour son travail et son talent de photographe alors qu'elle expose en ce moment et pour 2 semaines son travail dans une galerie d'art. Bravo Natasha pour cette magnifique expo photo, note l'interprète d'Yves Saint Laurent. Si fier de toi et de ton travail, écrit-il en anglais dans une autre story. Pierre Niney et Natasha Andrews forment un couple uni depuis 2008. Ensemble, ils ont eu 2 petites filles, Lola et Billy. La compagne de l'acteur est originaire de Brisbane, en Australie. Elle a quitté son pays natal à 16 ans pour fouler les planches des cours Florent à Paris. C'est lors de ses cours de théâtre que le couple s'est rencontré avant que Pierre Niney ne devienne pensionnaire de la Comédie Française, de 2010 à 2015. Le duo d'artistes ne se lâche plus depuis maintenant 15 ans et foule ensemble les tapis rouges et autres événements prestigieux du monde du cinéma. Supérieur à supérieur à supérieur à les plus beaux looks de Pierre Niney au festival de Cannes, une vie à la campagne sur Instagram, Pierre Niney poste régulièrement des photos et stories sur Instagram pour partager son quotidien avec ses abonnés. L'acteur y montre des souvenirs de tournage, comme dernièrement avec des extraits de l'émission LOL, qui ressort, à laquelle il a participé aux côtés de Jonathan Cohen ou encore François Damien. L'acteur de Mascarade avait reconnu, dans une interview pour 7 à 8, être un travailleur acharné et un perfectionniste. Pour lâcher prise avec le monde du cinéma dans lequel ils évoluent, Pierre Niney et Natasha Andrews se sont installés à la campagne avec leurs 2 filles. Le fait d'être dans un espace de vie plus proche de la nature, et puis de choisir quand on a envie d'être dans la foule et quand on a envie d'être au calme chez soi, la nuit, avec que le bruit des chouettes et du feu, c'est cool, avait-il affirmé devant la caméra de TF1. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, V1 Christophe Clovis.